Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Life is Strange et on se retrouve avec une Chloé bouleversée mais qui continue de travailler heureusement. Alors Chloé, t'as trouvé quelque chose? Non mais je veux pas te regarder, merde. I'm so sorry you have to go through this. Alors, fais voir ce que t'as vu. J'ai fini le tableau, non? J'ai pas fini le tableau? Ah non, il faut regarder toutes les indices, d'accord. Wow, encore. Donc il faut voir où c'est qu'il a pris. Ok, sélectionné. Non, pas sélectionné, regardez, pardon. Où c'est qu'il a emmené Chloé? Alors. Donc là, il faut en choisir 3. Donc je suppose un de chaque. Alors, l'adresse là. À mon avis, c'est ça. Donc, on va sélectionner ça. Ici. Non. 22h, il y a écrit. 3h du matin, c'est pas ça. 3h du matin, c'est pas ça. 11h de l'après-midi, c'est pas ça. Pas ça non plus. Bon, j'estime que c'est celui-là. 5h de l'après-midi. Ah non, attendez. Ah, 22h. C'est celui-là. Sélectionné. Est-ce que c'est la bonne date au moins? Non, le 10. C'est pas du tout la bonne date. C'est quoi ça? So, this infamous party was the 4th. Ouais, c'était le 4. Donc déjà, ouais, on va désélectionner ça, c'est pas celui-là. Le 4 à 11h. Ok, c'est celui-là. Donc là, on est bon. Regardez. À la décharge, 4h du matin, c'est pas ça. Là, c'est le 7-10, c'est pas celle-là. I know Nathan wasn't looking for Bigfoot in the forest. Il n'y a pas le 4, à moins que le 4 à 8h de l'après-midi, non, c'est pas ça. Somebody is stocking up on gas. Le 4, 9h de l'après-midi. Mais ça m'étonnerait que ce soit ça. On va sélectionner pour voir au cas où. Looks like this isn't the right combination. Non, c'est pas bon. C'est bien ce que je no pensais. Nathan stays in his dorm room. Le 4, 7h de l'après-midi, on s'en fout. Not much out there. Pas grand-chose de ce côté-là, mais pourtant, 10h56, hein, quoi. Bizarre. Ah, voilà, pas grand-chose de ce côté-là, pourtant, c'est ça. This is definitely the place. Let me dig up some more clothes here. Mais on cherche pas Rachel Amber, pourquoi on cherche Kate là? Nothing, Max. There's nothing here. Just some shitty old barn. Bah allons-y quand même. Let's keep searching and find out who owns this haunted barn. I'm on this. Hold on. Ah Nathan. Ah non. Somebody named Harry Aaron. Eh, Prescott évidemment. I'm shocked. Should we call the police? Mais non, c'est malade. You know the police here are like Nathan's private security, right? That's so messed up. As you've noticed, this whole town is messed up. We can't trust anybody except each other. So we have to go out to that farmhouse by ourselves. I was afraid you'd say that. We could call Warren since he kicked Nathan's ass. It's just the two of us, nobody else. And I'm not scared at all. You have the power. I feel like we're this close to finding Rachel. We have to find her, Max. We will. But remember, my power isn't infinite. We still have to be careful. Do you hear, Chloe? Yes, sir. Okay, okay. No trespassing. À la fameuse grange. Plutôt en piteux état, hein. Pour des personnes riches, ils auraient pu envoyer quelqu'un la réparer quand même. Holy shit, this is scary. I know.
But we're here. Let's go find the best way in. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici? Check this out. Fresh tire tracks. Toute fraîche, ça veut dire qu'il est venu? Ah merde. Somebody was just here. Then we need to get in that barn. Comment on va rentrer? J'ai toujours le pied biche sur moi, non? Ah, je l'ai plus sur moi. Bon, bah, on va trouver. Petit écureuil, aide-nous à rentrer, s'il te plaît. S'il te plaît. Bonne idée, pas mal. Ah, Warren qui m'envoie un message. Je savais pas que tabasser quelqu'un donnait tellement de bleu. Tu devrais voir mes poings. Bon, sa tête est pire, c'est clair. Ça lui pendait au nez. Baston de ouf. Comment ça va? Je suis à fond. Je n'aimerais pas le refaire, par contre. Sauf si je suis obligé. Il nous faut juste des costumes, maintenant. Ouais, bref. C'est vraiment un gamin. Bon, comment on monte là-dessus? Non, on peut pas. Ah ah! Watson, we can safely assume that this ancient vehicle is not our suspect. T'es sûr? Moi, je le trouve plutôt suspect, hein. J'y garderai un œil sur toi. Du coup, on va aller par là-bas. Peut-être qu'il y a quelque chose là-bas. Un autre écureuil! Dis-moi où aller. Là-dessous? Mais je peux pas passer, moi. Ah, déplacer. Ha ha! Et on peut passer par là. Bien joué, l'écureuil. Chloe, I found the front door. Come on. Oh, yes. Maximus rules. Ah, c'est grâce à l'écureuil. Toujours suivre l'écureuil. Et pas la biche, hein, parce que la biche, elle est relou. Ouais, ça fait peur, là. Hey, check out this old chest. A little louder, Chloe. Jeez, that is ancient. Jackpot. Old shit. No, look closer. Qu'est-ce que c'est que ça? Prescott and family donate new library to Arcadia Bay. Prescott Industries celebrate grand opening. The Prescott's bring bomb shelter boom to town. Nice scrapbook. You search for more clues and I'll scope out the area. Allez, c'est parti pour une petite enquête. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici? Un tracteur. Oui, regardons le tracteur. Non, il ne s'est pas fait violer ici. Des traces. Des traces de quoi? There's no reason for anybody to drive out here. But there must be. Bah, le tracteur, non? Ah ah, une caisse. I guess the Prescotts were just born bastards. Je vous écris concernant les impayés que vous avez pris la décision d'ignorer. Les Prescotts ne sont peut-être pas des hommes d'affaires établis dans la bonne société, mais nous n'en restons pas moins des hommes d'affaires, et nous attendons à recevoir ce qui nous est dû. Votre silence est, à nos yeux, un affront personnel, et nous exigeons de votre part, au nom de notre famille, le recouvrement de la totalité de votre dette, plus des intérêts s'élevant à 10%. Radin, c'est Prescott. Et il envoie ça à qui? Ok, on ne sait pas. Lindon. Ah, monsieur Lindon! Je ne vois pas du tout qui c'est. Donc là, les traces, c'est fait. Ah, une photo. Ça, c'est intéressant. Wow, sir. Talk about home. Ah, mais c'est la même photo que tout à l'heure, on s'en fout. Qu'est-ce que c'est que ça? There's no way this rusty ass button will activate these ropes or pulleys. Bah, essaye, non? Bon. Ça aurait pu marcher, hein. C'est jamais. Peut-être que l'indice nous serait tombé dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? J'entends du bruit. Il y a une trappe en dessous. Non? Ah non, c'est juste de la tôle, ok. Dommage, c'est plutôt bien trouvé avec le bruit et tout. Je suis pas sûr que ce soit une bonne arme quand même. Hein. Déjà, c'est lent. Et en plus, pour viser la tête avec ça, c'est relou. Là, peut-être quelque chose. De la tôle encore. Du bois pourri. Très bien.
Vas-y, lâche tout. These hooks are used to lift haystacks. I saw them in a Friday the 13th movie. Et tu peux pas l'enlever? Vas-y, prends la botte de foin et mets-la sur le crochet. Si peu d'aiguilles, n'importe quoi. Là, il y a quelque chose. Je le savais. Nothing here. Ah, mais bordel! Et là? Non. Bah écoutez, je vois pas du tout où c'est que je peux trouver quelque chose. Là, j'ai cherché, j'ai pas cherché là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, elle a pas dit rien. Non, elle a décidé de se taire. Ok, la meuf, elle en a marre de parler. Là, il y a encore quelque chose. Ah. Ah. Ah, ça a l'air intéressant. Vas-y, qu'est-ce que c'est? Allez! Une trappe! What is this? Encore un verrou, putain! It's totally brand new. Ah, Nathan, il a mis... Oh tiens, il y a une caisse là-haut. Nathan, il a mis... une cachette dans cette grange. Ok. Donc, ils sont riches et ils font quand même... Ils marquent quand même les prix des courses au cas où... ils n'aient pas assez, tu vois. N'importe quoi. Alors, il faut trouver les clés, je suppose. Parce que je peux pas l'ouvrir comme ça. You can't open this with your bare hands. Évidemment. Alors, Luke. Okay, Chloe. I found some kind of hatch, but it's locked. I got this. Non, je veux bien que tu m'aides. Là, il y a des outils. Haha. Those pliers are fossilized. Merde. I need something strong to smash this padlock. Une photo. Non. Bon, à mon avis, la photo, ça ne suffit pas pour casser le cadenas. Le tracteur. This tractor has paid its dues. Raté. On peut pas utiliser le tracteur. Le tracteur, ouais, bah ouais, le tracteur, pardon. Donc là, il y a des traces, une photo, un bouton. Est-ce que en activant le bouton, on peut pas... There's no way this rusty ass button will activate. Dommage. Ropes or pulleys. On aurait bien voulu accrocher le fil à la trappe et tirer d'un coup là, comme ça. Bon, cherchons un truc solide. Ça, c'est solide, non? Ah, la fourche. Pretty sure this old pitchfork won't open a padlock. Ah, le crochet. Ah oui, bah oui, c'est ça. Pretty tight to the rope. J'avais raison. Use it to open the hatch. Donc on attache le crochet. Voilà. Et maintenant, le bouton. Allez, faites que ça marche, s'il vous plaît. Comment ça, ça marche pas? Eh oh, appuie sur le bouton. La plateforme, grimper. Chloe, can you give me a hand? Sidekick at your service. Ah, merci. Ce fut facile. Oh, pim dans ta gueule. du coup, il vaut mieux pas que je tombe. Là, tirez. Ouais, bah ouais. Imagine ça. Imagine la plateforme, elle se serait écroulée là. Qu'est-ce que t'aurais fait? Regardez. Ouais, mais je veux grimper moi. Allez, hop. Mais non, t'inquiète pas, je vais pas tomber. Ah! Non, je déconne. Donc là, tirer, ça n'a aucun rapport. Si, si c'est celle-là. Ok, très bien. On va voir s'il n'y a pas autre chose quand même. Là. What? Oh, trop marrant le petit bout. Ah merde, je lui ai fait peur. Oh, 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 oh. Trop beau le petit hibou, regardez. Moi alors, Docteur Who. Eh oui, je t'ai réveillé. Ouh, ouh. Bon allez, on va tirer. Nope, I can't pull this rope without tearing my flesh off.
Oh, t'es sérieuse? Ouais. Je veux bien, mais quoi? Je peux pas monter là-haut? Petit hibou, tu veux pas m'aider? Au lieu de me regarder comme ça, là? Putain, le mec, il se réveille et... Alors, est-ce que je peux pas... le vieux moteur? Non, je ne peux pas. Alors là, je vois pas du tout ce que je dois faire. L'accrocher à un truc de lourd, mais il n'y a rien de lourd ici. Me dis pas qu'il faut que je redescende quand même. Bon, ben on va redescendre, on va chercher un truc en bas. Peut-être un truc en bas. Hop, alors, cherchons un truc de lourd. Chloé, toi, t'es lourde. La fourche n'a aucun intérêt ici. Une botte de foin? M'étonnerait. Non. Non. T'as pas un truc lourd là, putain? Je veux pas sortir, la pince, c'est pas lourd. Le tracteur. Le tracteur, il est lourd. On peut pas le porter. La caisse. Pas un truc lourd à l'intérieur. Merde! Voiture, on peut pas ouvrir et aller voir la voiture? Je vais aller voir dehors. Je pense pas, mais bon. C'est jamais. C'est le moment de te barrer avec la voiture, vas-y. Vas-y. Y a pas un truc lourd là, des briques? Prends les briques! Putain. Elle ne sert à rien, cette gonzesse. Le panneau. Watch us. Bon, écoutez, j'en ai marre, je me barre. I don't want to go that way. Ah merde. Mais je sais pas. Est-ce que si je remonte ça. Voilà. Ah, c'est peut-être ça, tirer. Mais oui! Eh ben voilà, un peu de génie dans la vie. So that didn't work at all. Mais c'est pas du... c'est pas du tout ce que je voulais faire. Merde. N'importe quoi le truc. Je voulais pas le tirer. Bon, il faut l'attacher, je suppose. Voilà. Boulet. Oh merde. Allez, on tire maintenant. Eh non, je vais pas tomber, je suis déjà là-haut. Ouh. Ah, voilà. Bon, heureusement que c'est pas tombé dessus. Parce que... Et maintenant, il faut redescendre. Hop. Hop. Et voilà, c'est fait. Haha, parfait, on peut ouvrir la trappe. Damn, this is heavy. Ah, c'est lourd. Oh, des escaliers. Ah oui, c'est vraiment une bonne planque, ça. Do I even need to say how weird this is? Who built this kind of place? Prescott, of course. Ok, donc il va falloir descendre. Je me demande ce qu'il y a là-dessous. Mais on le saura pas maintenant parce que c'est la fin de cet épisode. Merci à tous de m'avoir regardé. La lumière. Oh. Bisous à tous. Bye bye.